Alors, le point 4, euh, le client souvent il fait faire des devis pour avoir des idées de conception. Alors, c'est là que le piège dans lequel il faut éviter de tomber. Euh, on peut montrer, s'il veut avoir la, la, la garantie qu'on est fait pour répondre à l'attente du client, montrer des exemples concrets de ce que vous avez réalisé. Avec une enquête de satisfaction qui prouve que le client est satisfait à la fois de l'ambiance que vous avez créée, de l'agencement original également, une disposition, peut-être avec un îlot, et les aménagements pratiques. S'il est satisfait à 100%, c'est ça qui doit donner envie au client de vous demander ce service. Il y a possibilité, il y a des magasins qui le font, qui facturent leurs prestations. En fait, leurs prestations de conseil. Dans ces cas-là, ils sont propriétaires de leur dossier. En général, un dossier comme ça est facturé aux environs de... Euh, officiellement, si on passe du temps, aux environs de 600 euros. En réalité, il facture 250 euros si le projet n'est pas euh, très important. Euh, c'est une première option. La deuxième option, euh, c'est de négocier les conditions euh, de, de réalisation d'une vraie étude. Et dans ces cas-là, le client peut avancer sa décision d'achat. Euh, et c'est ce qui se produit le plus souvent. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment, vraiment montrer les conditions dans lesquelles certains clients qui étaient venus dans une attitude avec une attitude normale d'acheteur bah, décidaient en réalité de faire entièrement confiance bah, au concepteur et au magasin pour le service.